Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que, comme vous l'avez vu peut-être ou pas dans mon titre, je suis actuellement à Anaheim pour profiter de Disneyland Resort et bien évidemment, je ne pouvais pas faire ça sans vous. Je vais aller au Downtown Disney qui est donc le Disney Village du Disneyland Resort. Je vais prendre un petit déjeuner, je vous emmène avec moi dans ma journée. Bisous ma Disney Army. Je vais au Downtown Disney et c'est absolument magnifique. Il est que 7h30 du matin, du coup les boutiques ne sont pas encore ouvertes, mais je vous laisse un aperçu de ce qu'il y a dans le coin. Et moi je vais aller choisir un endroit pour le petit déjeuner, mais ça risque d'être compliqué. Quand je vais dans les parcs Disneyland aux États-Unis, j'adore passer par le Starbucks. Et bien évidemment, comme je suis faible, et j'ai pas fait exception ce matin. Alors, j'ai pris un chocolat chaud en taille tôle, un petit croissant, tout chaud. Je suis au paradis, ma Disney Army. Tu vas aller faire un tour au World of Disney? Ah non, c'est pas ouvert. À droite, c'est là où je vous emmènerai demain. Mais pour l'instant, on va aller dans le parc principal. Il est blindé de monde, comme vous pouvez voir. Le parc ouvre à 9h ici. Et beaucoup de gens sont déjà postés pour l'ouverture. Première entrée sur le parc. Bien, pour l'instant, pour être franche, ça ressemble pas mal à Disneyland Paris, hein? Non? Vous en pensez quoi, les gars? Mon cartoon préféré. Je me sens vraiment comme à la maison, c'est très particulier comme sensation. À la fois un parc différent et très ressemblant de ce qu'on a. Et là, ce que vous voyez juste en face, c'est le tout petit château. Personnellement, je trouve que ça a quand même beaucoup de charme. Ça, c'est la queue pour Peter Pan. Là, je vous dis, quand on se sent comme à Paris. Alors je sais pas, mais je trouve qu'il y a personne, alors ça m'inquiète un peu. Hey, je suis dans les premières à rentrer, les gars. Je trouve ça tellement beau. Alors j'espère que l'intérieur est aussi joli que l'extérieur. Je viens de croiser un cast member qui m'a demandé de comparer la version Disneyland Paris avec celle-ci. Je vous donnerai aussi mon avis en sortant. J'ai le bateau pour moi tout seul. Je m'excuse d'avance si je chante. Hein. Thank you.
regarder l'attraction, j'en ai pris plein les yeux. Je pense que c'est la plus belle version de It's a Small World qui m'était donnée de voir. Déjà, Walt l'avait faite de son vivant, du coup ça a encore plus de valeur à mes yeux. Et il y a énormément de personnages Disney qui sont cachés. Du coup, je vous ai pris plein de vidéos, j'espère vraiment que vous allez pouvoir voir ça. C'était une tuerie. Par contre, je préfère notre finale, je pense, mais pour le reste, absolument merveilleux. Et là, je vais faire notre pays des contes de fées, à part que la version a l'air d'être complètement différente. Parents, please supervise your children. Je me fais avaler par mon stroke. Tim, alors je suis sortie de l'attraction du pays des contes de fées, qui est pas mal. C'est très différent dans le sens où on a un narrateur qui est un peu comme le Jungle Cruise en fait, qui parle en même temps que le storybook. C'est beaucoup plus grand que chez nous forcément. Et il y a un petit update puisque eux ont la Reine de Neige. Je préfère largement notre caverne avec Aladdin. La leur est très très mal faite, mais sinon c'est très sympa. Là je me trouve actuellement du côté Fantasy Fair où je vais voir un spectacle avec les princesses. C'est le premier de la journée. You're the most beautiful girl in the village, which makes you the best. And don't I deserve the best? Et en fait ils détournent de façon drôle les contes de fées. Donc il y a deux personnages qui chantent, ils sont hilarants. Et là c'était l'histoire de la princesse Belle, donc ma princesse préférée. J'ai adoré. C'est merveilleux les amis. Je vous propose de continuer à explorer Fantasyland. Pour visiter le château de la Belle au Bois Dormant. On va tester ? À l'étage. Hein. Contrairement à chez nous, on peut quand même regarder le paysage. Ça désenclenche jamais Peter Pan. Je vous avoue que je ne connais pas grand chose de cette attraction, si ce n'est que c'est une attraction importante dans l'histoire du parc. Donc on va découvrir ça ensemble. La queue est pas trop longue, il y a que à peu près 10 minutes, donc ça va. L'attraction est assez sympa, c'est vraiment le même fonctionnement que Pinocchio et Blanche-Neige. Vous
êtes donc dans un char, là vous avez un volant pour tourner et vous suivez l'histoire du coup que je ne connaissais pas, donc j'ai été un peu surprise, notamment à un certain moment où on se prend un train, j'ai vraiment cru que j'allais le percuter donc j'ai flippé, mais c'est rigolo. Alors là je vais faire Pinocchio et Blanche-Neige, je pense pas vous vlogger cette partie là, ceci dit je vais voir si jamais je vois qu'il y a des scènes vraiment différentes de chez nous, bah je le ferai. Dans l'ensemble, c'est exactement la même attraction, c'est un peu moins kitsch. Voilà, j'ai l'impression que les décors sont plus étendus aussi, mais sinon, c'est vraiment la même chose. Là, je vais faire Pinocchio. Bon, je viens de sortir de Pinocchio, effectivement, hein, c'est exactement la même que chez nous, donc pas de déception à ce niveau-là. Et vous savez quoi? J'ai croisé où quand sortant l'attraction? Non, pas de youtubeur. Je vous montre ça tout de suite. Après avoir vu le capitaine Crochet, et si on allait voir les fées? J'espère qu'il y aura fée Clochette, je suis toute excitée. Je suis en plein dans la queue pour rencontrer notre chère Clochette. Il y a une demi-heure d'attente. On va dire que je suis vraiment déterminée à la voir. Coucou, vous avez vu? Elle a essayé de dire son nom en français, mais elle a galéré, c'était vraiment trop mignon. Elle était là. Close. Voilà, voilà. Alors, je vais faire un tour à Mickey Toon Town. Et après ça, je rentrerai à mon hôtel. Mickey Toon Town, les amis. Ce sera la dernière partie de notre périple dans ce vlog. Autant vous dire que c'est pas moi qui vais aller la voir. Hein. Ah, par contre, celle de Mickey, c'est une autre histoire. Voilà, alors finalement j'ai abandonné pour Mickey parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde et j'ai déjà pas mal de photos avec lui. Puis j'avais faim aussi, voilà. Je ne vous cache rien. Donc je me suis posée sur une petite table toute seule. J'ai pris un hot dog avec des chips. Alors honnêtement, c'est pas là que j'irai faire mes attractions, mais c'est une zone qui est extrêmement bien thématisée et franchement je pense que c'est l'un des points forts du parc. Tout est très très bien fait, c'est sublime. Franchement, chapeau, si vous aimez faire attention au tic-tac quand vous faites les attractions et tout, franchement, vous allez adorer ce parc. Dans la zone Toon Town, vous avez surtout des aires de jeux pour les enfants avec quelques attractions en plus que j'ai pas eu le courage de faire. C'est aussi l'occasion de rencontrer Mickey et ses amis. La ville est absolument magnifique. Voilà, je vais clore ici cette première partie du vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé le début de mes aventures à Anaheim, à m'écrire un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse de savoir. Et en attendant une prochaine vidéo, ma Disney Army, prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous. Abonne-toi.